Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Est-ce que dans un monde bien constitué, où le soleil se lève, le soleil va se coucher, la lune vient, tu te lèves, tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu fais un bisou à ta femme, tu vas te coucher, le matin tu te lèves, tu brosses tes dents, tu te laves, tu rinces tes yeux, tu fais tout ce qu'il faut. Est-ce que dans un monde constitué comme ça, on peut vivre avec des gens comme ça? Mais non, mais quelle méchanceté! Tu te rends compte? Là, il y a eu les U16 qui participaient donc à la Coupe d'Afrique des Nations et c'était spécialement pour ceux qui sont à l'école. Tu comprends? Donc il y avait la finale entre les U16 du Sénégal et les U16 RDC Congo. Moi, je comprends pas comment c'est possible que des écoliers U16 du Sénégal, pardon, se retrouvent face aux parents des U16 congolais. Comment on peut m'expliquer ça? Vous n'avez pas compris le concept? C'est aux enfants de jouer. Hein? Non, mais le Congolais, il est méchant. Hein? Donc là, vous, là, quand c'était la finale, vous avez dit, bon, les enfants, allez vous coucher. Les papas, ils vont vous montrer comment on fait. Mais non! Vous n'allez pas nous dire aussi que ces gens-là, ils ont 16 ans. Ah non, mais là, il y a un grand problème au niveau du visage, au niveau de la corpulence. Tu vois pas, là? Hein? C'est quoi, U16, ils ont 16 ans d'expérience ou bien ils ont 16 ans tout court? Mais non, mais on ne peut pas faire ça. Regarde les Sénégalais, ils sont là, ils ont peur, ils sont en train de regarder leurs adversaires en se demandant comment ça se fait que des adversaires qui ont 16 ans sont déjà garnis de poils, de têtes qui ont du vécu. Tu vois leurs mains, ils sont durs comme s'ils ont travaillé la terre pendant au moins 18-20 ans et ils les ont fracassés sans pitié. Oh là là, mais le Congolais, il est méchant, hein? Quand il veut te fimbi, il fait ça proprement. Oh là là. Mais là, là, vous allez me dire que les U16, là, ça va être eux les professionnels qui vont jouer les barrages pour la Coupe du Monde. Hein? Non, mais c'est pas... Et en plus, franchement, c'est pas malin de faire ça. Hein? Vous empêchez les jeunes joueurs de jouer, de progresser et ensuite de devenir les futurs fimbicateurs. Mais si vous laissez pas les jeunes fimbifier les autres équipes, comment ils vont progresser? Hein? Quand ils auront des matchs officiels, quand ce sera les finales et tout, ils vont avoir peur à cause de vous. Parce que tout le temps, vous dites aux petits, bon, laisse papa, il va faire. Mais non, on ne fait pas comme ça. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça la méchanceté. C'est la méchanceté pure et dure. Et en plus, ils ont joué sérieusement. Ils ont mis des coups de physique aux petits Sénégalais. Et puis le Sénégalais, il criait, et puis, manque pas de respect à ton aîné. Alors qu'ils sont censés avoir le même âge. Hein? Oh là là, mais comment on peut être méchant comme ça? Mais moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Hein. Jouer contre des petits en finale officielle. Mais non, mais on ne fait pas comme ça. On joue comme ça dans le bac à sable, tu leur apprends. Mais tu vas dans la finale de la Coupe d'Afrique des U16. Tu n'as pas 16 ans. Tu fracasses les jeunes qui ont 16 ans. Et puis après, tu viens, tu prends une photo, tu prends la coupe, tu fais comme si c'était du chocolat. Ah, mais toi, tu es trop méchant. Vous êtes trop méchants, les Congolais. En tout cas, bravo à vous. Hein. Vous avez gagné. C'est passé, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Si sur les papiers, il y a marqué qu'ils ont 16 ans, c'est quoi ton problème? Tu peux dire oui, il n'a pas l'air d'avoir 16 ans, mais son papier, il y a marqué qu'il a 16 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Bravo aux Congolais, les jeunes U16, soit ils ont 16 ans, soit ils ont 16 ans d'expérience. En tout cas, franchement, grosse force à vous. Vous avez remporté le championnat d'Afrique des U16. Donc ça veut dire que soit les écoliers, ils ont redoublé, je sais pas combien de fois. Hein? Et du coup, au Congo, quand tu redoubles, tu peux pas passer ton anniversaire? Je sais pas, je donne des suppositions, des hypothèses. Peut-être que c'est ça, peut-être que ces gens-là, là, ils ont redoublé au moins 15, 20 fois. Et c'est pour ça qu'ils sont là en train de jouer. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, bravo aux Congolais. Dommage pour les Sénégalais, bah en tout cas, ça va vous endurcir, là, les petits, là. Tu vois, les U16, là, vous allez vous endurcir à jouer contre des vieux comme ça. Continuez à jouer contre eux.